Eh bien, salut tout le monde, je vais vous expliquer comment battre Rasputin, le dernier boss de Polaris, qui est un boss assez dur. Et pour cela, il y a une technique, puisque sans cette technique, vous aurez vraiment beaucoup de mal à le battre. Donc tout simplement, cette technique consiste à utiliser les triches de Rasputin, puisque en fait, quand vous lamez, quand vous mettez des boosts sur le boss, quand vous soignez, Rasputin invoque des minions de types différents. Par exemple, quand vous soignez, il invoque des types vie, quand vous mettez de l'âme, il invoque des types tempête, je crois. Enfin bref, c'est ça, on va utiliser de ceci pour pouvoir le prendre à son jeu. Simplement, pour la technique, il faut une école qui va taper, plutôt une école qui tape fort, donc il y a un feu ou un tempête. Mais après, on peut faire avec toutes les écoles, parce que toute école bien boostée peut faire mal, sauf Armo. Enfin, faudrait vraiment beaucoup de boost pour Armo. Donc, il vous faut un armo puisqu'il y a des lames très intéressantes, un mort parce que c'est bien, mais après vous pouvez prendre n'importe quelle école hein, à côté. Hein. Et un vie parce que ça peut toujours servir un vie, hein, parce que ça lui fait quand même bien mal. Donc tout simplement, il faut que la personne qui tape prenne une attaque, pas forcément zone, mais c'est mieux quand même, et qu'il prenne des boosts pour lui. Puis les trois autres personnes doivent prendre... des boosts pour booster cette école, que ce soit en piège et tout ça. Ne prenez qu'une seule feinte, puisqu'on pourra mettre qu'une seule feinte à ce boss, puisque une de ces triches fait que si vous mettez deux feintes, il va repasser tous les boosts sur une personne, donc c'est moyen. Et prévoyez en carte trésor des lames, parce que c'est toujours bien, ça fera plus de boosts pour la personne. Une secousse, si jamais il se met un pavoir à Spoutine. Et défoler. Tout le monde doit prendre des follets dans ses cartes trésors, c'est obligé. Puisque c'est essentiel pour la technique. Donc maintenant, la technique. Premier tour, tout le monde soigne. Tout le monde fait follet, c'est pour ça qu'il faut avoir la carte trésor follet. Il faut qu'au moins 3 personnes soignent pour invoquer les 3 petits mobs qu'invoque Rasputin à cause de sa triche. Parce qu'il faut. Parce que les vies, l'avantage avec eux, c'est que ils vont pas vous taper très fort. Et ils vont pas vous faire chier quoi. Ensuite, deuxième tour. Donc, normalement, le combat là est plein. Rasputin a invoqué ses 3 mobs, vu que 3 personnes ont soigné au minimum. Donc, deuxième tour, vous full boostez soit Rasputin, soit le mec qui attaque. Troisième tour et quatrième tour, pareil, vous full boost. Et maintenant, cinquième tour, vous pouvez taper si vous pensez que vous avez assez de boost pour one shot Rasputin qui a quand même 70 000 PV et de la résistance, mais il a que 20% de résistance. Donc vous inquiétez pas, si vous voyez à moins, c'est pas une grosse à moins. Vous ne vous occupez pas des petits minions parce que tout simplement ils vont mourir tout seuls grâce à leur triche. Donc en général, normalement ils vont faire renaissance, ils vont faire full renaissance. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un vie à côté pour réinvoquer régulièrement des petits mobs si jamais vous le one-shotez pas au cinquième tour, parce qu'il faut recommencer la technique, hein, c'est une boucle. En fait, soin, boost, 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 tapez. Voilà. Ça, c'est si jamais la technique ne marche pas. Ou si jamais vous voyez qu'au quatrième tour, vous avez le full boost, mais vous n'êtes pas sûr que c'est à ce moment-là qu'il faut taper, parce que le problème, c'est qu'au quatrième tour, si vous tapez, même si vous one-shotez Rasputin, il va revivre, puisque ses petits minions vont faire renaissance. Donc forcément ça va le faire revivre au passage, puisque le même tour qu'il a été tué, ses mobs vont le faire revivre. C'est pour ça que je vais taper au cinquième tour. Donc normalement, si au cinquième tour personne ne lame, personne ne fait rien, tout le monde passe, et juste le mec tape, c'est bon. Normalement vous one-shotez Rasputin si vous aviez assez de lames, et je vous rappelle qu'il faut qu'une feinte, et au passage quelqu'un met une secousse si vous jamais vous voyez qu'il a mis un pavois, parce que ça se peut qu'il mette un pavois. C'est pour ça que je vous dis de prévoir une secousse. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à la technique pour battre Rasputin. Donc je vous rappelle, premier tour, soin. Deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, boost. Et après, tapez. Faut juste bien faire attention. Ne vous occupez pas des petits minions, essayez pas de les tuer, ils vont se tuer tout seuls. Simplement parce qu'ils ont 130% de résistance. Donc voilà, il faut quand même avoir pas mal de transpercés pour les tuer. Juste un conseil. Ou alors, si vous voulez les tuer au quatrième tour, prévoyez l'aura le transpercer et faites en sorte que vous ayez 30% de transpercer au minimum pour pouvoir donc 31% pour tuer les petits mobs en mal temps, comme ça vous êtes sûr qu'ils vont pas faire renaissance après pour refaire vivre Rasputin. Voilà. Je pense que j'ai tout dit par rapport à la technique. Oui. Donc en description je vais vous mettre la vidéo des US, donc je me suis inspiré pour la technique. Enfin totalement inspiré même.
les drops qu'on peut avoir sur Rasputin, plus le guide de toutes les triches de Rasputin. Tout ça c'est en anglais, mais normalement je pense que vous comprendrez un minimum. Enfin, moi j'ai compris en tout cas, alors que j'ai pas un niveau d'anglais super. Donc voilà, vous allez voir que j'ai un petit bug juste après le combat. J'ai pas le dialogue juste après le combat, c'est parce que c'est un bug lié à la version avant-première, on va dire, de Polaris, qui a cause abonnés. Il y a encore les petits bugs qui sont pas été rectifiés. Donc ça, tout simplement, si vous avez ce bug, quittez carrément votre jeu, redémarrez-le, et normalement, vous aurez plus le bug. Donc vous pourrez prendre la quête et tout ça. Donc voilà, je vous dis à plus les amis, et bon combat. Et aussi, je vous mets le dialogue de fin juste après, en rendant la quête. Allez, tchuss! Congratulations, comrade. I haven't heard Titan fall from here. The Shard Warriors did too.
We did it, didn't we? We saved the spiral. Not bad for my first time out of the Vale. I suppose you deserve the credit, though, wizard. Somehow it seems a little anticlimactic, doesn't it? I mean, where are the stream... We eat. What else would we do? The wizard and I should probably go tell Baba Yaga about every... Ivan, save 2 bowls of stroganoff for us. Hopefully we won't take too long. Come on, wizard. Safe travels, Mallory. And to you, comrade. Ivan will be in Warrisburg, and always ready if you need him for another adventure. Finally decided to report back in. I hear you're in trouble, Initiate. Almost destroyed the spiral? Stop wagging your lips when you know nothing, Fitzhume. Makes you look like a fool. My 2 protégés actually saved the... Well, how should I know? No one ever tells me anything. I was close, at least. I knew it involved the spiral and destruction, at any rate. Yes, you... two have made an old witch proud. What? Surprised I know everything? This is the Arcana. I am sorry, however, because we didn't realize the gravity of the situation. Well, unfortunately, I trained you well. Speaking of... Wait, what about traveling with the wizard? We were just starting to have some fun. Oh, all right. To Ravenwood, then. I guess this is goodbye then, wizard. For now, at least. We make a pretty good team, though, don't we? Yes, yes, I'm certain you will. There's still the matter of Bartleby. Either way, wizard, initiate, we have something else in mind for you. Go on and take your leisure. You've earned it. Don't stray too far, though. Don't leave the spiral!